En exploration urbaine, on tombe parfois sur des choses auxquelles on ne s'attend pas. Exactement comme ce somptueux palais que l'on va explorer ensemble. Vous êtes sceptique ? C'est normal. Quand on voit l'état général des lieux, on pourrait même croire que les propriétaires sont partis la veille. Et pourtant, ce palais est en vente pour la somme ahurissante de 35 millions d'euros depuis quelques années. Malheureusement, il ne trouve pas repreneur et il se dégrade petit à petit. Après le tournage, nous avons appris que ce lieu est fréquemment surveillé par des gardiens, la police, des bateaux et même des drones, sans compter le voisinage très vigilant. Nous avons donc eu beaucoup de chance de passer entre les mailles du filet. Bonjour à tous les amis, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de mon papa et de Ronce juste derrière. On va faire un urbex de fou aujourd'hui, une villa abandonnée, un grand palais avec encore tout à l'intérieur. On a vu des photos, c'est juste incroyable. On va visiter tout ça, le spot est vraiment sensible. Allez, c'est parti. Et c'est parti les amis, on va commencer à descendre. Donc voilà, ça c'est juste pour vous montrer voilà, à quel point c'est vraiment abandonné. On le voit bien au niveau des escaliers. Parce que comme c'est abandonné depuis récemment, on pourrait croire que ça ne l'est pas. Donc bah, c'est bien pour vous prouver que plus personne n'est venu ici depuis au moins un an ou deux, d'après ce qu'on a pu comprendre. Donc c'est vraiment un abandon très récent. Regardez la vue qu'on a les amis, c'est incroyable, vraiment. Quand je vous dis que cet urbex ça va être une folie, je vous mens pas. Il y a une toile d'araignée en plein milieu. On commence par un jardin d'enfants. Ouais, c'est ce qui ressemble à un ancien jardin d'enfants. Tiens, regardez. Le toboggan et tout. Oh là là, c'est incroyable. Oh, c'est fou, hein. Qu'est-ce que t'en penses déjà? C'est excellent. T'as bien envie de jouer. T'as vu? Un grand enfant. Fais gaffe, hein. Ah, c'est... Oui, tiens pas. Ah oui, ça tient presque pas. Hein. Et c'est en train de se désagréger. C'est vraiment un enfant. C'est un truc de fou, les amis. Je crois que personne ne va nous croire. Je pense pas. Personne ne va nous croire. Un site exceptionnel, là, vraiment. Des amis, la vieille balançoire. Oh là là, c'est incroyable. Voilà, et la villa qu'on va visiter se trouve juste ici. Elle est somptueuse, les amis. Elle est incroyable. T'as pas hâte d'y rentrer? Oh là là, j'en peux plus. Dépêche. C'est quand même fou hein, d'avoir un jardin d'enfants intégré à sa villa. Le vieux banc. Oh, c'est fou. On sent que le temps s'est arrêté là depuis au moins, ouais, c'est ça, un an, deux ans. Toute la végétation par terre, il y a de la mousse qui commence à pousser, regardez. C'est parti les amis, on va visiter la villa. C'est incroyable, putain, j'ai hâte d'y rentrer. Ah ouais, il y a du voisinage. Let's go. Bon les amis, là il y a la piscine. C'est fou putain. Et il y a des trucs à visiter, mais d'abord on va aller visiter la villa. Allez, on va suivre. Oh là là, regardez-moi cette beauté les amis. Oh, c'est trop beau. Allez. Ouais c'est ça, c'est abandonné depuis un an, deux ans. Ouais. On y va? Allez. Je t'en prie, vas-y. D'accord. Ouais, c'est grand ouvert hein. C'est ça qui est ouf en fait, c'est que c'est grand ouvert quoi. Allez. Ouh, ça semble renfermé hein. Ouf. Oh là là, par contre c'est beau hein. Ça ressemble à un ancien bar. Et là on peut voir les champignons qui commencent à... Ça sent vraiment pas bon hein. Tu as vu ce canapé? Ouais, j'ai vu, ouais. C'est incroyable hein. C'est fou. Tout est intact les amis hein. C'est la deuxième fois sur la chaîne qu'on fait un spot totalement intact. Le premier c'était le centre de vacances abandonné en décembre dernier d'ailleurs. Y'a toujours l'eau ou pas? Vas-y. Oh non. Oh non, c'est pas possible. Il y a toujours l'eau. Je sais pas si c'était une famille qui vivait ici ou si c'était... Je sais pas. On va essayer de trouver des indices au fur et à mesure que la vidéo avance. À mon avis, ça a été squatté ici, hein, je pense. Je pense que ça a été squatté ici. Hein. On voit des feuilles là par terre. Ouais, c'est sûr que ça a été squatté. Mon dieu, cette couleur. Oh là là, c'est incroyable. Hein. Oh là, un chat. Il y a un chat noir. Par contre, c'est vraiment sensible. Il y a vraiment du voisinage partout.
C'est par là, vous pensez? Il y a l'entrée. Il y a une porte à côté aussi. C'est que par là. Bon, ben, va falloir que je me déséquipe pour passer là. Bon, les anneaux viennent de s'infiltrer. Par ici. Voilà. Premier, les toilettes. Il y a encore le papier de toilette. Et regardez-moi cette baignoire, ce jacuzzi. Je sais même pas comment décrire ça. Il y a encore le shampoing ou je ne sais quel autre produit. C'est fou. C'est fou, hein. Incroyable, c'est magnifique en plus. On pourrait vraiment prendre un bain. Tu penses que c'est en or? Je pense pas, hein. Je pense non, que c'est du bronze. C'est du plaqué or ou du bronze. Je sais si c'est bon. Oui, il y a de l'eau. Tout à l'heure, on l'a vu. Ouais, c'est ça, il y a de l'eau. Il y a toujours l'eau, les amis. Allez, on y va. Oh là 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 là. Oh, oh là là. C'est magnifique. Regardez-moi ce lit. Il y a baldaquin. Il y a des feuilles partout par terre. La terrasse est à moitié ouverte. Mais c'est fou. C'est fou. On voit bien que... Eh ouais, regarde. C'est en train de s'effondrer, là. Regardez, au plafond. Ah oui, belle fissure. On voit bien les fissures, là. C'est en train de... Les vieux cadres. Enfin, vieux. C'est beau. J'aime bien. Qu'est-ce que t'as trouvé? Une belle télé. Ah ouais. Ah, c'était là l'ancienne, ça. Ouais. Là, c'est fou. Laser. C'est fou. Je regarde un petit peu tous les éléments. Non, ça a été vidé. Ouais, on dirait que ça a été partiellement vidé. Je pense que... Voilà, oui, tout a été vidé, c'est un dressing. Ça a été partiellement vidé, ouais. Là, il y a un détecteur de mouvement, ici, par contre. Il est pas actif. Il est pas actif? Oui, il est pas, non, pas branché. Ok. C'est un grand dressing, ça? Oui, un grand dressing, immense. Waouh. Immense. Un vieux tapis par terre aussi. Oh, regarde ça. Oh, c'est fou. Il n'y a plus rien, ça a été vidé. Oh là là. Toutes les femmes, là, elles rêveraient de ça. Ah ouais, tu m'étonnes. Ah, il est immense, hein. Incroyable. Oh là là. Oh. Bah, bah, bah. Oh là là. C'est beau. Mais c'est quoi ce délire? Avec l'écran plat et tout. On est vraiment en train de faire un urbex, là? Ah oui, je te confirme. Ouais, il y a le soufflet et tout. On dirait les emblèmes d'un roi ou quelque chose dans le genre. Oh là là, mais les amis, c'est fou. Oh là là. On a de quoi vous inviter tous. Ah là, je crois que... C'est un moment. C'est fou, c'est fou. C'est le plus bel urbex qu'on a jamais fait. Ça, c'est carré de très loin même. T'es à ton aise? Oh, c'est superbe, regarde ça. C'est vrai qu'il y a une vue. Oh. Ça sent bien, hein. Il y a de la poussière. Voilà. C'est plein de poussière. Oh là là. Des vieux cendriers et tout. Pff, c'est fou. C'est fou. C'est somptueux. C'est somptueux. C'est le mot. C'est somptueux, magnifique. J'ai... Oh. Les vieux cadres. Enfin, les vieux cadres. On a des beaux cadres ici. Que se trouve cette peinture au plafond? Vraiment très belle, hein? Ouais, non, ça reste une maison de maître. Ouais, c'est une maison de maître, hein. C'est fou. Les interrupteurs, hein. Je sais pas si c'est de l'or, je pense pas. Plaqué or, peut-être? Ouais, c'est du plaqué. Une horloge. Ouais, alors. Ah, il y a encore le téléphone. Sûrement le fixe. C'est fou. C'est incroyable. J'ai même pas l'impression d'être dans un urbex. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de spot intact comme ça. Oh là là, ça c'est la deuxième partie du salon. C'est un petit peu abîmé, hein. On voit bien que... Ah oui, on sent que ça commence à se désagréger. Le temps fait son effet, mais... Ouais. Si vraiment c'est dans cet état-là, c'est que ça fait peut-être plus que 2 ans. Hein. Peut-être même 3-4 ans. Hein. Facile. C'est possible. C'est fou. Vermoire. J'aime beaucoup le style, en tout cas. Franchement, que ce soit le style architectural extérieur ou intérieur, j'adore. Traitement, protection de bois. Bah oui, forcément. Très joli meuble aussi. Avec encore un téléphone. Et encore l'adaptateur Wi-Fi. Il y a tout, c'est fou. Ça a été débranché. On dirait qu'ils sont partis précipitamment. C'est vraiment étrange comme sensation. Ouais, vraiment. Tout
tout est vidé, mais ils ont laissé quand même pas mal de meubles. Et tous les rideaux, en fait. Toute la... C'est l'eau. Dingue. Et l'eau aussi, l'eau, bien sûr. Le lustre est... Waouh. Le lustre est incroyable. Hein. Le lustre, la décoration, je pense que c'était des lampes, ça. C'est sublime, vraiment. Une ancienne cuisine. Encore un téléphone. Mais ça fait combien de téléphones, sans déconner? C'est un truc de fou, ça. Ah oui. Ça me donne envie de cuisiner. Oh là là, ah oui, moi aussi, là. Ah ouais. Pourtant, je suis pas quelqu'un qui cuisine, hein, mais là, c'est, je vous avoue, c'est que... C'est magnifique. Pff, c'est fou. Oh. Cuisine tout équipée, voilà. À gaz. Ah ouais. Non, il y a beaucoup de choses, en tout cas. Pas le gaz, rien à ça. Sans déconner. C'est fou. Ah ouais, c'est dingue. Déjà, je pense qu'un spot comme ça, vide, ça aurait été incroyable, mais alors là, il est rempli, c'est incroyable, c'est pas assez fort, je crois, pour décrire ce qu'on est en train de vivre là, actuellement. C'est fou. Grand frigo américain. Ce qui prouve bien qu'ils sont plus là, que c'est vidé depuis longtemps. Ouais, c'est ça, ça va faire 3-4 ans, puis ça sent fortement l'humidité aussi. Ouais. C'est pas... Regarde la machine à café. Incroyable, Nespresso. Ah là, on a la vue sur le jardin d'enfants où on était tout à l'heure. Au début. Je sais pas si on verra clairement à la caméra, mais voilà, on était là au tout début. Ah, il y a encore les tasses de café. Nespresso et tout. Oh, c'est fou. Oh, ils ont tout laissé, hein. C'est dingue. C'est dingue, surtout. Ah ouais, même là. J'arrive pas à croire ce que l'on est en train de faire, vraiment. Allez, on va rejoindre Ronce. On n'a pas parlé des portes, mais elles sont vraiment belles aussi. Hein. J'aime bien porte en verre comme ça avec du bois dessus, c'est original. Poste de garde. Poste de garde ? Quand il y avait un gardien ici ? Ah oui. Ah ouais ! C'est fou ! Ah ouais, c'est trop stylé ! Mais non ! Tout le câblage pour internet. Ouais. Mais en fait, mais je pense pas que c'était qu'une simple villa en fait. Hein. S'il y avait un poste de garde, si. Un poste de maître, hein, ça se trouve, c'était des mafieux hein, qui avaient des gardes. C'est possible. Possible. Il y avait 5 caméras, 1, 2, 3, 4, 5. Des luminaires. Donc il y avait vraiment de la lumière partout dans la villa, hein, partout à l'extérieur aussi, j'imagine. Putain, mais c'était très bien gardé. Hein. Oh, mais c'est dingue, c'est fou. Hein. Il y a encore l'ordinateur et tout. L'imprimante. Tout est encore en place, quoi. Tous les téléphones. Ah, mais ça y est, je comprends pourquoi il y avait autant de téléphones. Ah, ça y est, je comprends, parce que tout est ici, oui, il y a une réception. On sent qu'il y a eu de la vie ici, j'imagine encore le gardien en train de noter sur son carnet. Il y a un coffre, ou un mini-frigo. Ah, un mini-frigo, c'est ça. Mm-hmm. Oh, c'est génial. Il fallait bien qu'il déjeune, là. Il est vraiment beau, en plus. Hein. Ouais. Oh, c'est fou, un poste de garde et tout, c'est incroyable. C'est surréaliste. Chaque pièce, tu vas devenir fou. C'est ça, c'est exactement ça. Là, on est à l'une des entrées, du coup. C'est la grande entrée. Ouais, je pense que c'était l'une des grandes entrées. C'est principal. Et il y a une table devant. Ça veut dire que la porte doit être ouverte. Il y a même des volets. Quand là, il y a du vis-à-vis. Hein. Là, on peut nous voir. Ouais. Oh là là. Regarde-moi ça, en marbre. Même les colonnes, là. C'est fou. Waouh. Ah oui, c'est beau. Ah ouais. Oh, j'adore. C'est la villa, tu crois? C'est le jardin? Ah, peut-être bien. J'ai l'impression. Ah, c'est possible. C'est possible. Il y a plein de tables, plein de chaises. Je pense qu'il y avait des événements qui étaient organisés. Oh, l'escalator! Oh, c'est fou! Oui, ça on l'avait vu en photo parce que les amis, on précise, mais on avait vu des photos du lieu et c'est vrai qu'on avait vu un escalator. Alors, ça c'est vraiment ouf par contre. Hein. Tu crois qu'on peut l'ouvrir? Non. Non, putain, un escalator. Ça c'est fou par contre. Hein. Un escalator privatisé. Oh là là, c'est beau. Évidemment, c'est fermé aussi, mais c'est beau. Oh, un beau lustre. Ah, il y a de l'idée. C'est somptueux. Petit canard. Ils sont beaux aussi. Magnifique. J'aime beaucoup. Ah, moi aussi. On est passionnés d'art. À toi l'honneur ou pas? Allez, on va essayer d'ouvrir ça. Oh, messieurs, dames. Le salon. Oh, c'est trop beau. Regarde les canapés. Mais hey, c'est fou. Oh là là.
Vous allez entendre je sais pas combien dans cette vidéo, mais c'est juste incroyable en même temps. Je pense qu'on peut pas réagir autrement en fait, c'est impossible. Oh là là, viens voir ça, Ronce, viens. C'est incroyable. Oh la table et tout. Ah non, c'est... Je suis choqué. Ah ouais, moi aussi. De la beauté. Oh là là. Oh là là. J'ai même pas les mots en fait, c'est ça, j'ai même pas les mots. Magnifique. Jolie petite peinture. Le plafond est très beau aussi par contre. Le plafond est très beau avec tous ces détails, ces reliefs, j'adore. Putain, il y a encore tout. Il y a encore tout les amis, il y a encore les livres. Les décorations, je sais pas ce que c'est. Et ouais, c'est ça, regarde, c'est en arabe. Sûrement des Qataris, tu vois, je te l'ai dit. C'est possible. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Ça me semblait logique, hein. Le style, ça me rappelait un peu le Qatar, donc... Placard, bibliothèque, là aussi. Et les tables, elles sont magnifiques aussi, hein. Franchement. Oh là là, mais c'est de toute beauté, hein, vraiment. Incroyable, vraiment. C'est impressionnant. C'est... Qui ne rêverait pas de vivre ici, franchement? Oh là, oh là là, bah ouais, bah... Regardez le plafond. C'est incroyable. Là, on voit bien, incroyable. Orient, hein. On voit bien le style Orient. Ouais, ouais, ouais. C'est du lapis lazuli, tout à fait, ouais. Oh là 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 là. Et ça se marie bien avec la table. C'est incroyable. Il fait chaud, par contre, dans cette pièce-là. En plus, on a très beau temps aujourd'hui, hein. On a de la chance. Oh là là. Putain, c'est pas fini, regarde. Oh là là. Regarde la colonne. Elle est magnifique. Ah, mais alors là. On est dans le grand luxe. On est dans le grand luxe, c'est ça. Là, ça doit valoir des centaines de millions d'euros. Mais comment on peut abandonner tout ça? C'est voilà une question qui revient encore, mais c'est fou. C'est. Il y a encore tout, hein. Les assiettes, enfin, tout quoi, les plats. Je sais pourquoi. Beau canapé. Oh, il y a un piano. Il y a encore la télé, les amis. Putain, c'est fou. Encore un téléphone. Eh, ça faisait peut-être hôtel, hein, à la fois. Qui sait? Celle-là, alors. Ah oui, j'avais pas vu. Ah ouais. Celle-là, elle vaut plus que des milliers d'euros. Waouh. Ah oui. Hein, ah oui. Le détail. C'est somptueux, vraiment. Je n'ai pas d'autres mots. Même le lustre, là, encore une fois de plus. Et même les moulures, en haut. C'est tout bonnement incroyable, voilà. C'est du staff. C'est fou. C'est une ville de milliardaires. Oui, c'est ça, c'était souvent des milliardaires qui habitaient ici, bien sûr. Notre cuisine. Oh, il y a encore des jus et tout. Le 29 juin 2021. C'est quelqu'un qui a dû venir pour squatter, sûrement. Mais si elles sont moches qu'en 2021, c'est qu'elles ont été achetées en 2020. Et là, sur la calette de Schweppes. Octobre 2020, ouais. Sur la calette de Schweppes. Ça a été acheté en 2019-2020. Sûrement des squatteurs. Voilà une découverte intéressante. Avec des canettes datées de 2020-2021, on pourrait imaginer que des personnes auraient squatté les lieux. Mais visiblement, ils ne sont jamais revenus. Ils ont certainement dû se faire expulser par l'un des gardiens. À ce moment-là, on avait déjà exploré une bonne partie du palais, mais ce n'est rien comparé à l'immensité du lieu. Oh, il est beau cet escalier. Oh là 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 là. Ah oui, on était entré par là tout à l'heure. Il y a des sculptures juste ici. Sympa. Plein de... C'est un débarras, quoi. Ah, bah là, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau à l'étage. Par contre, c'est magnifique. Hein. Même l'interrupteur pour tirer la chasse, il est en plaqué or. C'est juste incroyable. Ah, tu peux aller extérieur. Oui. Ah, tu vois là. Hop. Oh. Allez, on va faire une petite visite de la terrasse. Oh, regarde le barbecue. C'est incroyable. C'est équipé, ils ont un lavabo extérieur et tout. C'est un truc de fou. Oh là là. Il devait se faire plaisir, n'empêche ici. Hein. Petit barbecue là. Une barre de protection en verre, regarde. Ah ouais, c'est la barre de protection en verre, ouais. Vous pouvez fermer complètement la terrasse. Ouais, ça fermait complètement la terrasse. Ouais, ouais, là-bas aussi. Ah, quand on vous dit que c'est grand ouvert, c'est pas une blague, hein. C'est fou.
Voilà la vue qu'on a. Voilà. C'est exceptionnel. Déjà, je pense que cette villa, c'est, même si elle serait pas située en bord de mer, elle aurait été exceptionnelle. Mais alors là, c'est fou. Nous avons une deuxième piscine, là. Ah ouais, j'avais pas vu. Une deuxième piscine. Allez, on va voir ça. C'est tellement immense, les amis. J'espère que j'aurai assez de batterie. Parce que c'est vraiment grand, quoi. J'en doute. Ah ouais, deuxième piscine. Il y a encore les transats et tout. Oh là là. Allez, c'est parti, on va monter. Oh là là, c'est beau. L'inscription. Ouais, l'inscription. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ce que Dieu veut soit béni des dieux. Ce que Dieu veut soit béni des dieux ? Ouais, c'est une traduction littérale. Ok. Je parle pas arabe. Ouais, bah c'est ça, c'est bien qatari. Hein. Ouais. C'est bien le style. Hein. Oh, l'ascenseur ! Ouais, t'as vu ? Oh, l'ascenseur ! Mais il est magnifique. En marbre. C'est du faux. Non, c'est du faux, mais... C'est que de la peinture. Ouais, c'est parti, on monte à l'étage. Oh là là, la peinture est magnifique, hein. L'escalier aussi. Pff. Oh là là, sans déconner. Et dire que c'est un urbex, ça. Je vois rien. Oh là là. C'est fou. J'ai les yeux partout, j'arrive pas à... C'est dingue. Oh là là, c'est complètement dingue. Pff. Tout a été vraiment bien pensé, l'architecture, les meubles, tout. Tout se marie extrêmement bien. J'adore. Boiserie. Ouais. Ouh. Tous ces reliefs là. Regardez ça. Oh là 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 là. On va bien, c'est rempli de poussière sur les étagères. Ouh, c'est bien sombre là. Ouh, c'est bien sombre. Est-ce que c'est une pièce ? Une sorte de banc, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est un truc pour le sport. Ouais, ouais, c'était sûrement une salle de gym, il y a plein de matériel pour le sport. Putain. Ils ont tout laissé. Hein ? What ? Ouvre, 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 ouvre en plus grand. C'est... Oh. C'est un vrai ? Je sais pas. What ? Non. Non, c'est pas vrai ? C'est un jouet. Ah, je pensais que c'était un... C'est un jouet. Sur le coup... C'est un jouet. Je pensais jamais, hein, parce que dans ce genre de baraque, ça m'aurait pas étonné qu'il y ait un flingue. Hein. J'aime beaucoup ça. On voit bien que ça a moisi ici. Bonjour. Allez. Ça va, c'est vide. C'est vide. Les frigos ont quand même été vidés. Hein. Ouais, et puis c'est propre. Oh là là. Oh. Oh là là, c'est trop beau. Mon Dieu, les amis, c'est... Oh. Qui ne rêverait pas de faire un bal là-dedans? Sans déconner. Tous. Tous, on aimerait tous faire un bal là-dedans. Surtout avec la vue qu'on a. C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est beau. C'est beau, hein. Ce détail. Oh là 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 là. Je vous jure, c'est incroyable. Même une douche, tout équipée. Douche de massage. Il y a plein de jets. Qui ne rêverait pas d'avoir ça, quoi, franchement. Ça doit valoir plusieurs milliers d'euros, ça. Au moins, allez, estimation. 50 000 euros, au moins. Au minimum, oui. Minimum. Oui, parce que là... C'est dingue. Non. Il y a une mouche, je sais pas ce que c'est, là. Une mouche. Une grosse mouche. Ah, il y a un petit écran, là, une petite télé. J'avais pas vu. Il y a une drôle d'odeur. Oh, le lit. Oh là là, c'est beau. Oh là là, de toute beauté. Mmh. Oh là là. C'est la boiserie, ça. Ah bah oui, la télé, bien sûr. Ah ouais, une télé, évidemment. Magnétoscope. DVD. Mais c'était un peu vieillot, j'ai remarqué. Hein. J'ai vu qu'un écran plat là jusqu'à présent. Oh là là, c'est beau. Regarde. Dans chaque pièce, hein, on s'émerveille. C'est ça. Chaque pièce est différente, a un style différent. Et du coup, on s'émerveille à chaque fois. Quoi. C'est ça qui est bon, hein, avec ce genre de spot. Pff, en fait, c'est une suite. C'est ça, en fait. Tout l'étage, c'est une suite. C'est exactement ça. Ça devait être le... Genre, ça se trouve, c'était le roi d'Arabie Saoudite ou du Qatar, hein, qui venait dormir ici, et le reste, c'est pour la famille. Avec, bien évidemment, un balcon sur... avec vue sur mer. Oh, c'est beau. C'est une peinture. Ouais, c'est de la peinture. C'est beau. On peut monter par là, mais on va reprendre les beaux escaliers qu'on a vus tout à l'heure. Ça se rejoint. Ouais, c'est encore une chambre. Ok, cet étage, c'est bon. On va visiter le dernier. Petite terrasse aussi bien sympa là. Oh.
Ils devaient vraiment vivre leur meilleure vie ici, hein, je vous le dis. Belle terrasse. Ah ouais, ouais, je te jure. C'est incroyable. Puis cette peinture là sur les murs. J'adore. Regarde ce lustre. Ça, tu vois, de nuit, ça doit être sublime. Sans compter son prix. Sans compter son prix, ouais. Ah, c'est au moins 10 000 euros un lustre comme ça. Même plus. Même plus. Putain, c'est fou. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi cette porte? Ah ouais, c'est la porte d'entrée. Attends, vas-y, on ferme. Et c'est parti, du coup, on va monter par cet escalier qu'on a vu tout à l'heure. De fou, c'est un labyrinthe par contre cette ville. Ouais, c'est une chambre, je crois. Oh là là, avec vue sur mer en plus. Ouais, c'est ça, c'est une chambre avec télé. Ouais, on sent bien que. On sent que les draps sont pas très propres. Que ça fait un bon petit moment que c'est délaissé comme ça. C'est fou. Encore du linge de maison. Il y a tout. Il y a vraiment tout. On va descendre. On voit pas le bout de cette maison. C'est ça, on voit même pas le bout. C'est tellement immense. Puis je vous avoue aussi qu'on stresse un petit peu parce que tout à l'heure on a vu un bateau s'arrêter juste devant. Mais en fait, c'était pas pour nous. Mais pendant au moins 5 bonnes minutes, on a stressé, on a dû couper momentanément le tournage. C'est vraiment magnifique. Hein. Oh. Le papier et la peinture commencent à s'enlever. Hein. Ouais. Les tableaux, ils sont... Ah oui, les tableaux sont beaux. Hein. Magnifique. C'est vraiment sublime. Quoi. Du coup, on va refermer la porte, les amis. Parce que de base, c'était fermé. Voilà. En fait, c'était tellement des flemmards qu'ils ont quand même pris un escalator. Hein. On est de retour au début, vous vous souvenez. Et on va aller voir l'escalier en colimaçon qu'on a vu tout à l'heure. Oh, c'est beau, par contre la couleur elle est magnifique. J'aime beaucoup. Ah mais on peut descendre aussi. Ah non. On descend d'abord. On descend d'abord, allez on descend. On descend d'abord. Allez. Ça c'est original ça, c'est bleu. C'est exigu un peu. Ça, c'est quoi cette exploration de fou là? Moisie là. Ouais. Ah ça sent là. Ouh, ça sent, ouais. Oh, une belle salle de bain. Waouh. Ah oui. Waouh. C'était quand même bien. Hein. C'était... Alors c'est un autre style que ce qu'on a vu tout à l'heure, mais... C'est moins luxueux. C'est joli. Hein. Mais c'est joli. On va dire c'est entre les deux. Est-ce qu'il y a de l'eau au sous-sol? Oui. Enfin, un petit peu. Oui, il y a un petit peu de pression, il n'y a plus grand-chose. Là, il y a de l'eau quand même. Il y a quand même de l'eau. Et c'est drôle parce que genre au sous-sol, il y a de l'eau. Et de l'eau chaude aussi. Ouais, il y a de l'eau chaude. Mais au sous-sol, il y a de l'eau, au rez-de-chaussée, il y a de l'eau, mais pas aux étages. C'est bizarre. Ah, c'était quand même des cadres. Ouais, c'était quand même sympa. Petit lit là. Petite déco, c'est au fond. Ah ouais. Ah, encore. Oh, le lit rond. Oh, j'adore. Oh, c'est trop stylé. Grosse télé. Encore un téléphone. Ah, encore une salle de bain. Ouais, la même. Oh, tiens. Oh, ouais, mais c'est original. Gros lavabo. L'araignée. Le sous-sol, c'est bon. On va monter. Oh là là, elle est belle la baignoire. Ouais, bah là, on voit bien le jardin d'enfants là, d'ici. C'est ça. Voilà. On y était il y a 3 heures. Parce que oui, ça fait 3 heures qu'on tourne là, actuellement. Le lieu est tellement immense que. Pour vous dire, j'ai dû changer la batterie de l'appareil photo parce que. J'avais plus de batterie quoi. Ouh! Ouh là là! Ah oui! Et j'ai l'impression que chaque partie de la villa en fait a son propre style, sa propre couleur, ça respecte un certain code couleur. Là, juste devant là, vous voyez les escaliers là? Il y a un jardin immense. Plage. Le jardin est immense aussi. Bah, le jardin est très grand. Hein. Là, mes amis, on est remonté. Parce qu'il y a une partie qu'on n'avait pas fait. Mais regardez, les petits bateaux là. Sympa, hein? Chouette. Le soleil brille très fort aujourd'hui. Allez, c'est parti. Vous avez combien de téléphones sont déconnés dans cette ville-là? Une cinquantaine, une centaine? Ça sent renfermé. Oh,
J'adore la lampe. Oh là là. Ah oui. Que c'est beau. Oh, tout ce marbre. Et dire qu'on a failli louper cette pièce. C'est vraiment très beau. Ouf. Donc du coup les amis, on se retrouve dehors, mais je vois pas où on est par rapport à la villa là. Ah si si si, c'est bon. Ouais ouais, c'est bon. Allez, c'est parti. Ah ouais, là c'est une petite dose d'aventure. Oula. Oh là là, c'est vraiment somptueux hein. Le jardin est magnifique hein, vraiment. J'espère qu'on va pas se faire voir. Parce que j'ai bien envie de vous montrer cette piscine. Putain, il y a des guêpes, sans déconner, on est en décembre. Alors, remarque qu'il fait chaud aujourd'hui hein. Mais bon quand même, c'est plus entretenu. Là, j'en déduis que au vu du feuillage et tout, ça doit faire, ouais c'est ça, 4-5 ans. Entre 3 et 5 ans quoi. Voilà, et là je crois que c'est le bar, donc on va y aller de suite. Oh, c'est un truc de fou. Je jure, c'est sympa. C'est un truc de fou. Qu'est-ce que c'est sympa. C'est un urbex de folie. Ah, c'est ça, c'est une sorte de bar en fait. Oh, oh, il devait faire des barbecues ici. Incroyable. La vie de rêve. Alors, est-ce qu'à l'extérieur il y a l'eau? Non, je m'en doutais. Ah ouais, là aussi, voilà, là aussi il faisait des barbecues. Incroyable. Incroyable. C'est pas le rêve ça, regarde ça. Et voilà le petit port. On est vraiment tout en bas. Il y a le bon air marin là, on le sent, ouais, ça sent bon. Hein. Ça fait plaisir hein. C'est super ici, franchement c'est paradis. C'est génial. Les amis, on va aller voir cette fameuse piscine. C'est bien décrépit. Hein. Dans quoi on est encore? Oula, ça sent le moisi. Oh là, ça pue. Ouf, ça sent pas bon. Ah, c'est les appartements. Et parce qu'on nous a dit qu'il y a des appartements sous la piscine. Et là, on est au niveau des appartements, donc c'est pas la villa. Bon, des lits superposés. Par contre, ça sent fort l'humidité. Hein. Oh là, c'est dingue cet endroit. Table assez classique. Enfin, pour du classique, ça coûte cher. Tiens, il y a quelqu'un qui s'est grillé une clope. On voit bien. Oh, c'est sympa ça. Ouais, ça fait un peu une cuisine bateau, hein, comme dans les bateaux. Ah ouais. C'est un arrangement un peu. C'est vrai. Pour gagner de la place. C'est ouf. Ouh, c'est dégueulasse. C'est dommage parce qu'elle est belle la baignoire. C'est vraiment dommage de laisser tout ça pourrir quoi, franchement. C'est... Là, une vue sur la piscine. Ah ouais? Tout à fait incroyable. Ah ouais? Oh. Ah bah je vais voir. Contre... Ah oui! Ça, ah oui! Ah oui, effectivement. Ça veut dire qu'avant, c'était de l'eau. C'était de l'eau. Tu pouvais voir sous l'eau. Sous l'eau, tu pouvais voir. Oui, les gens nageaient. Mais c'est incroyable! Mais c'est un truc de fou. Le vitrage, c'est tellement là et un deuxième là-bas. On est à l'étage, les amis. Waouh, oh, c'est beau. Mmh. Ah ça sent hein. Ouais, on dirait style bateau, tu sais, yacht. Oh bah tiens, regarde. Ils ont style yacht. Ah bah ouais, voilà. Mais ça m'étonne pas vu qu'il y a une fenêtre qui était sous la piscine. C'est ça, c'était on se croirait dans un bateau. Voilà, hein. On se croirait dans un bateau. C'est bien pensé, j'avoue que c'est vraiment bien pensé. C'est une cabine. Ouais, on voit bien la toile d'araignée. Oui, oui. Ah bah voilà, ça y est. Il y a le fameux bar. Le bar avec la piscine. Oh là là, c'est incroyable. Voilà, par contre, il n'y a plus rien. Ouh, dans un état la hotte. Après, c'est pas étonnant, il y a la mer à côté donc. Oui, ça. Il y a une porte ici. On a une très belle vue sur la villa là, ici. Ah, elle est dans un sale état. Hein. Ouais. Là, il y a plein de mosaïques qui se. Quel dommage quand même. Puis il y a carrément de la. Ouais, je pense que c'est ça, hein. 4-5 ans, facile. Hein. 4-5 ans que c'est abandonné. Imagine laisser tout ça en plan, quoi. C'est alors, c'est à la fois incroyable pour l'urbex, mais c'est à la fois triste, quoi. La deuxième partie de la piscine, directement en intérieur, et on pouvait carrément plonger pour. Ah, ça devait être tellement stylé. Je te jure. Ah, ouais, il y a les trucs de sport et tout, regarde. Ah, oui. Voilà. Pas besoin de prendre un abonnement à la salle, les amis. On a déjà ce qu'il faut. Vous pouvez s'abonner à leur salle. Voilà, là je tiens un poids actuellement. Je fais de la muscu en plein urbex. C'est un truc de fou, hein.
Bon, eh bien voilà, je pense que on a fait le tour. Ron, c'est tout content parce qu'il a ramené de belles images. Ah oui, là, et voilà, on est vraiment refait, ouais. Clairement. On se quitte avec ces images. C'est très certainement l'exploration la plus impressionnante que l'on a faite sur la chaîne. Bien sûr, on se pose tous la même question. Pourquoi personne ne rachète ce lieu magnifique? Eh bien, on peut supposer que le prix est trop élevé par rapport aux dégâts constatés. Effectivement, peu à peu, la bâtisse se fait ronger par le temps. Et nous n'osons même pas imaginer le prix que doit coûter une telle rénovation. Cependant, nous espérons qu'elle sera rapidement rachetée et qu'elle ne tombera pas dans l'oubli. Que ce lieu incroyable surplombant la mer renaîtra. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'oubliez pas de la partager sur les réseaux, de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, et bien évidemment de nous faire part de vos retours dans les commentaires. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre, et nous tenions sincèrement à vous dire merci. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures.